Marie Trintignant est depuis hier dans le coma dans un hôpital de Vilnius en Lituanie. Après une violente dispute avec son ami Bertrand Cantat, le chanteur du groupe de rock Noir Désir, lui aussi hospitalisé. Amant de Marie Trintignant, auteur présumé des coups qui ont plongé l'actrice dans le coma, la laissant la nuit du drame, inanimée jusqu'au petit matin sans alerter les secours. L'avion médicalisé qui transporte Marie Trintignant et sa mère Nadine vient d'arriver il y a quelques minutes à l'aéroport du Bourget. Une personnalité au charme énigmatique, à la voix sombre et immédiatement reconnaissable. Une actrice et une comédienne accomplie, une femme de passion et de tumulte.